Bonjour tout le monde, bienvenue sur Happy Nutri. Sur ce format, on révise des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis. Vous êtes prêts? C'est parti! Quels sont les aliments riches en oxalate? En aliments riches en oxalate, on a la rhubarbe, les épinards. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que j'en connais pas beaucoup. On a l'oseille. Ça, c'est seulement ceux que j'ai de tête. Après, dans la logique, je pense que les aliments similaires à ces derniers cités doivent aussi être riches en oxalate. Peut-être que les blettes, je sais pas si ça a pas mal d'oxalate. Les endives, je me pose la question. Voilà, je sais pas trop après les autres. C'est là où je me dis c'est intéressant d'avoir un petit arsenal d'aliments riches en oxalate. Donc passons sans plus attendre à la vérif pour voir quels aliments sont riches en oxalate. C'est parti. Quels sont les aliments riches en oxalate? Les aliments riches en oxalate incluent les épinards, la rhubarbe, les betteraves, les noix et le chocolat. Les oxalates sont des composés naturellement présents dans de nombreux aliments. Ils peuvent se lier au calcium dans le corps, formant des cristaux qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux chez certaines personnes. Voici quelques aliments courants riches en oxalates. 1. Épinards. Les épinards sont parmi les légumes les plus riches en oxalates. Ils contiennent environ 750 mg d'oxalates par portion de 100 g. 2. Rhubarbe. La rhubarbe contient une quantité significative d'oxalate, surtout dans ses feuilles. Les tiges, qui sont généralement consommées, contiennent aussi des oxalates, mais en moindre quantité. 3. Betteraves. Les betteraves et leurs feuilles sont riches en oxalates. Les betteraves contiennent environ 675 mg d'oxalate par portion de 100 g. 4. Noix et graines. Les amandes, les noix de cajou, les graines de sésame et les graines de chia sont des exemples de noix et de graines riches en oxalate. 5. Chocolat et cacao. Le chocolat noir, le cacao en poudre et d'autres produits à base de cacao contiennent des niveaux élevés d'oxalate. 6. Thé noir. Le thé noir contient des oxalates, bien que la quantité puisse varier selon la marque et la préparation. 7. Autres légumes verts. D'autres légumes comme les blettes, le persil et le cresson contiennent également des oxalates. 8. Fruits. Certains fruits comme les fraises, les framboises et les kiwis contiennent des oxalates, bien que généralement en quantité plus faible que les légumes verts. Imagine les oxalates comme de petits gredins qui se cachent dans certains de tes aliments préférés, prêts à former des cristaux avec le calcium si tu ne fais pas attention. Pour les personnes prédisposées à la formation de calculs rénaux, il peut être utile de limiter la consommation d'aliments riches en oxalates et de boire beaucoup d'eau pour aider à éliminer les oxalates du corps. Culinaire. Pour réduire la teneur en oxalates des aliments, certaines techniques de cuisson, comme le blanchiment des épinards, peuvent être utiles. Le blanchiment aide à réduire la concentration en oxalates des légumes verts. Comparons les épinards et le chou frisé. Les épinards sont très riches en oxalates, tandis que le chou frisé contient des oxalates en moindre quantité, ce qui en fait une alternative plus sûre pour ceux qui doivent limiter leur apport en oxalate. Conclusion, les aliments riches en oxalate, tels que les épinards, la rhubarbe, les betteraves, les noix et le chocolat, peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux chez certaines personnes. Il est donc important de modérer leur consommation et d'adopter des techniques de préparation appropriées pour réduire leur teneur en oxalate. Pour te souvenir des aliments riches en oxalate, pense à épicée rhubarbe brillante, notable chocolatée, épinards, rhubarbe, betterave, noix chocolat. Peux-tu nommer quelques aliments riches en oxalates et expliquer pourquoi il pourrait être nécessaire de les limiter dans certains régimes alimentaires? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Alors, il y a pas mal de choses à dire là. Du coup, pour les aliments riches en oxalates, ça va pas être très compliqué avec tous ceux que tu as cités. Donc on a les fameux épinards, qui d'après ce que tu dis est une des sources les plus concentrées en oxalate. Ça m'étonne pas tant que ça fait longtemps que j'entends parler
de l'association épinards et calculs rénaux. Je pense que vous aussi, c'est assez commun. Mais là, on a plus d'explications, donc c'est intéressant. On a la rhubarbe, l'oseille que tu n'as pas cité, le chocolat que j'avais complètement oublié, le noir, évidemment, parce que le reste n'est pas réellement du chocolat noir. C'est intéressant de noter ça, car on a beaucoup de vertus du chocolat noir qui sont mises en avant. Et c'est vrai, c'est vachement intéressant, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients qu'on oublie parfois de citer. Donc là, on a les oxalates, que j'avais complètement oublié. Et on a la libération d'histamine, si je dis pas de bêtises, du chocolat noir, qui est aussi contraignant et à ne pas oublier. D'ailleurs, je vais tout de suite noter de faire une flashcard sur le chocolat noir. Je suis en train de penser, c'est rigolo comment on peut déformer parfois les mots par rapport à des habitudes qu'on peut avoir, mauvaises ou non. Là, c'est le chocolat noir qui me fait penser parce que on va appeler tout type de chocolat, sauf le noir, du chocolat pratiquement, alors que ce n'est pas réellement du chocolat. Et le chocolat noir, on l'appelle vraiment chocolat noir et pas chocolat souvent. C'est un peu contradictoire. Et on a ça avec pas mal d'autres trucs. Hein. Bref, continuons. qu'est-ce que je disais ? L'oseille, le chocolat, les betteraves. Ça, je savais pas du tout qu'il y avait des oxalates. Nitrate, je savais, mais pas oxalates. On a les noix, donc les oléagineux. Là, c'est pareil. Hein. Moi, maintenant, je m'efforce à employer le terme oléagineux quand on parle de noix au sens général, parce que il vaut mieux éviter la confusion et de penser vraiment à la noix du noyer quand on parle de noix. Et c'est intéressant que tu abordes les noix, les oléagineux, car elles sont généralement mangées crues. Donc là, on a le mode de transformation par grillage des oléagineux qui est une stratégie intéressante, à la fois pour réduire le taux d'oxalate, mais aussi d'augmenter partiellement les nutriments ingérés, comme on l'avait vu sur la flashcard sur la première loi de la thermodynamique. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais transformée. Après, je suis en train de penser, les amandes étant assez riches en calcium comparé à d'autres oléagineux, par proportion, elles devraient être plus riches en oxalates, non ? Il y a une question que je me pose aussi, c'est est-ce que les oxalates de magnésium peuvent être aussi délétères que les oxalates de calcium ? Et sinon, pour répondre à la deuxième question concernant la limitation d'aliments riches en oxalates dans certains régimes, je sais pas trop quoi dire. Là, disons que certains régimes, comme les véganes, végétaliens, sont beaucoup plus susceptibles d'intégrer des oxalates, et encore plus les crudivores, étant donné que, comme tu l'as dit, le blanchissement permet d'atténuer, de réduire le taux d'oxalate. Donc les crudivores qui mangent tout cru sont plus susceptibles d'avoir un taux d'oxalate plus élevé, enfin d'ingérer plus d'oxalate. Donc dans ce cas, c'est sûr qu'il faut être vigilant sur ces trois types de régimes que j'ai cités. Après, d'autres régimes alimentaires peuvent aussi rencontrer cette problématique, hein, sachant qu'il y a beaucoup de facteurs qui impacte les oxalates, comme le fait de boire peu, tu l'as même dit tout à l'heure aussi, ou tout simplement consommer trop de calcium. Ça fait partie des causes de calculs rénaux. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, juste pour terminer, dès que tu auras fini de me corriger, parle-moi des stratégies autres que la consommation d'eau suffisante pour détruire ou atténuer les oxalates, s'il te plaît. Très bien. Tu as bien saisi les aliments riches en oxalates et les raisons pour lesquelles il peut être nécessaire de les limiter dans certains régimes alimentaires. Ton raisonnement est bon et tu as ajouté des détails pertinents sur les oléagineux, leurs draineurs en urriage et leurs supplémentaires. 1. Amandes et calcium. En effet, les amandes sont relativement riches en calcium comparées à d'autres noix. Cela signifie qu'elles peuvent avoir une concentration d'oxalates élevée. Et le calcium peut se lier aux oxalates pour former des cristaux dans le corps. 2. Oxalomagnésium versus oxalate de calcium. Les oxalates de magnésium peuvent également être problématiques, bien qu'ils soient généralement moins insolubles que les oxalates de calcium. Les oxalates de calcium sont les principaux contributeurs aux calculs rénaux, mais les oxalates de magnésium peuvent également former des cristaux, bien que cela soit moins fréquent. Okay. Stratégie pour réduire ou atténuer les oxalates. 1. Consommer suffisamment d'eau.
Boire beaucoup d'eau aide à diluer les oxalates dans l'urine, réduisant ainsi le risque de formation de cristaux. 2. Consommer du calcium avec modération. Consommer des quantités modérées de calcium avec des repas riches en oxalates peut aider à lier les oxalates dans le tube digestif, empêchant leur absorption et leur passage dans les reins. Cependant, un excès de calcium peut également poser problème. 3. Griller ou cuire les aliments. La cuisson et le blanchiment des légumes peuvent réduire la teneur en oxalates. Par exemple, blanchir les épinards avant de les consommer peut réduire leur concentration en oxalates. 4. Consommer des aliments riches en probiotiques. Certains probiotiques peuvent aider à dégrader les oxalates dans l'intestin, réduisant ainsi leur absorption. Les aliments fermentés, comme le kéfir et la choucroute, peuvent être bénéfiques. Oh, mais c'est trop stylé! 5. Limiter la consommation de vitamine C excessive. Un excès de vitamine C peut se transformer en oxalate dans le corps, augmentant ainsi la charge en oxalate. Il est donc important de modérer la consommation de suppléments de vitamine C. 6. Modifier l'alimentation. En cas de risque élevé de calculs rénaux, il peut être bénéfique de suivre un régime pauvre en oxalate, en évitant ou en limitant les aliments riches en oxalates et en privilégiant ceux qui en contiennent moins. Pense aux oxalates comme à des petits trublions qui adorent se cacher dans tes aliments préférés, prêts à former des cristaux si tu ne prends pas quelques précautions pour les garder sous contrôle. Conclusion, les aliments riches en oxalates, comme les épinards, la rhubarbe, les betteraves, les noix et le chocolat, peuvent poser problème, notamment pour ceux qui suivent des régimes spécifiques ou qui sont sujets aux calculs rénaux. Boire beaucoup d'eau, consommer du calcium avec modération et choisir des techniques de préparation appropriées sont des stratégies efficaces pour réduire les risques associés aux oxalates. Ok, alors là je suis surpris, agréablement surpris. Elle nous dit que certains probiotiques, donc certaines de nos amies bactéries intestinales, peuvent aider à dégrader des oxalates dans l'intestin. Vous imaginez ? C'est un incroyable tips. Donc là, la question qu'on pourrait tout de suite se poser, enfin moi c'est ce que je me dis là, mais quels sont ces probiotiques spécifiques qui font ça? On aura la réponse dans une prochaine flashcard, ne vous en faites pas. En tout cas, je note tout de suite d'en faire une flashcard. On va appeler ça... site 5 stratégies, ou non plutôt, quelles sont les stratégies pour réduire ou atténuer les... Voilà. Alors, flashcard... Quelles sont les stratégies pour réduire ou atténuer les oxalates? Ok, c'est dans la boîte, c'est dans le deck. Et vous avez entendu aussi, il y a à aborder la consommation de vitamines en excès qui peut se transformer en oxalates. C'est aussi un tips dingue que j'aurais jamais imaginé. Donc, je suis vraiment content d'apprendre ça et de vous le partager si vous ne saviez pas ça non plus. Je reviens très rapidement sur le terme des noix et des oléagineux ou d'autres termes confus comme produits laitiers animal, végétal, noix, chocolat noir, etc. En fait, pour éviter toute confusion, il faut connaître tous les termes, toutes les appellations. Ça peut être redondant, surtout qu'en science, y a énormément de vocabulaire avec parfois beaucoup d'appellations différentes, 3 voire 4 des fois appellations pour une seule chose. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis pour ceux qui travaillent dans la santé... Ça reste quand même très important. Fin de la parenthèse, maintenant passons à la flashcard inédite, c'est parti. Pourquoi est-il important de connaître la position exacte des doubles liaisons dans une chaîne d'acides gras? Et comment cela influence-t-il leurs propriétés et leur rôle dans l'organisme? Waouh, alors là les amis, déjà avant de répondre, cette flashcard pourrait être présente à tous les examens de futurs professionnels de santé. C'est trop important. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait la mettre dans le deck aujourd'hui, car non, on l'a pas encore dans le deck et je connais pas trop le sujet. C'est pour ça que je me suis dit, oula, il y a des lacunes, il faut qu'on la révise. Donc pourquoi c'est important de connaître la position exacte des doubles liaisons des acides gras et comment ça influence la santé, quoi, leurs propriétés dans l'organisme? Ben, en fait, leur position exacte de double liaison détermine le type d'acide gras. C'est pour ça qu'on dit oméga 3, oméga 6, oméga 9, voire acide gras saturé. Eh bien, le fameux chiffre du type d'acide gras, donc si on prend par exemple oméga 3, 6 ou 9,
signifie à partir de combien de carbone il y a une double liaison. Si on prend par exemple l'huile d'olive, donc oméga 9 de l'acide oléique, c'est à partir du carbone 9, du 9e carbone, pardon, qu'on a la double liaison. Après, comment ça influence les propriétés pour l'organisme? J'ai cité les acides gras saturés. Ben, en fait, les acides gras saturés sont saturés en carbone. Donc, il n'y a plus de place pour des mono-insaturés ou des polyinsaturés qui ont pourtant de nombreux bienfaits pour la santé. Voilà pour répondre à la question. Après, je pourrais ajouter aussi quelque chose de très important à connaître. Il faudrait même limite que j'en fasse une note flashcard. C'est en fait connaître les positions chimiques, biochimiques, d'un acide gras. Et en fonction de l'ordre et tout ça. Parce que, déjà, c'est hyper important, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi sur des fiches techniques, sur des études scientifiques. Donc, il faut comprendre au moins ce que c'est. Donc, souvent, on a une lettre qui est le C pour carbone, suivie d'un chiffre qui, en fait, indique tout simplement le nombre de carbone total qu'il y a dans l'acide gras. Ensuite, on a deux petits points pour espacer du prochain chiffre. Et le prochain chiffre, c'est le nombre de doubles liaisons qu'il y a dans l'acide gras. Puis ensuite, après ce petit chiffre, on a une parenthèse avec un autre chiffre à l'intérieur. Et là, en fait, ce chiffre qui est entre parenthèses, il indique à quel endroit se trouvent les doubles liaisons ou la double liaison. Donc si on reprend l'acide oléique de l'huile d'olive, c'est un acide gras oméga 9. On peut l'appeler du coup aussi C18, 2 petits points, 1, entre parenthèses 9. Donc C18, 18 carbone au total, 2 petits points, 1, donc il y a une seule double liaison, et entre parenthèses 9, parce que c'est à partir du 9e qu'il y a la double liaison. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ça. Que dire d'autre? Ouais, je sais pas quoi ajouter, étant donné que c'est une flashcard inédite, il manque sûrement pas mal d'informations pour englober les points clés d'un acide gras, et notamment des doubles liaisons des acides gras. Les acides gras trans, je pense pas qu'on en parle ici, hein, y a rien de... Enfin, c'est important de connaître ce que c'est, mais étant donné qu'on les évite un maximum, je pense que la priorité est plutôt sur ce qu'il y a de plus intéressant et fréquent, c'est-à-dire acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, voire saturés. Voilà, passons à la vérif, c'est parti. Pourquoi est-il important de connaître la position exacte des doubles liaisons dans une chaîne d'acides gras? Et comment cela influence-t-il leurs propriétés et leur rôle dans l'organisme? Connaître la position exacte des doubles liaisons dans une chaîne d'acides gras est crucial car cela influence leur structure, leurs propriétés chimiques, leur rôle dans l'organisme et leur impact sur la santé. Les acides gras sont des chaînes hydrocarbonées avec un groupe carboxyle à une extrémité. Ils peuvent être saturés, sans double liaison, ou insaturés, avec une ou plusieurs doubles liaisons. La position des doubles liaisons dans les acides gras insaturés affecte plusieurs aspects. 1. Configuration cis et trans. 6. Les atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison, créant une courbure dans la chaîne. Trans. Les atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de la double liaison, rendant la chaîne plus linéaire. 2. Numérotation des carbones. Les doubles liaisons sont numérotées à partir du groupe carboxyle, DETLA, ou de l'extrémité méthyle, O. Par exemple, un acide gras oméga-3 a une double liaison entre le 3e et le 4e carbone à partir de l'extrémité méthyle. Influence sur les propriétés et le rôle dans l'organisme. 1. Fluidité des membranes. Les acides gras insaturés avec des doubles liaisons cis introduisent des courbures dans la chaîne, augmentant la fluidité de la membrane cellulaire. Cela est essentiel pour la fonction des membranes et la mobilité des protéines membranaires. 2. Point de fusion. Les acides gras insaturés ont des points de fusion plus bas que les saturés. Plus il y a de doubles liaisons, et plus elles sont proches de la partie centrale de la chaîne, plus le point de fusion est bas. Cela explique pourquoi les huiles, riches en acides gras insaturés,
sont liquides à température ambiante, tandis que les graisses saturées sont solides. 3. Fonction biologique. Les acides gras essentiels comme les oméga-3, acides alpha-linolénique, et oméga-6, acides linoléiques, sont cruciaux pour la production de molécules de signalisation, l'inflammation et la fonction immunitaire. Leur position influence la synthèse de prostaglandine, leucotriène et autres écosanoïdes. 4. Santé cardiovasculaire. Les acides gras trans, souvent produits par hydrogénation partielle des huiles, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires en augmentant le LDL, mauvais cholestérol, et en diminuant le HDL, bon cholestérol. 5. Métabolisme énergétique. La position des doubles liaisons influence aussi la façon dont les acides gras sont métabolisés. Par exemple, les enzymes qui dégradent les acides gras reconnaissent et agissent différemment selon la position des doubles liaisons. Ça, c'est important. Imagine les acides gras comme des danseurs de ballet. Les doubles liaisons cis les rendent flexibles et gracieux, fluides et mobiles, tandis que les trans les rendent raides et rigides, moins fluides et plus solides. Connaître la position des doubles liaisons permet de mieux comprendre et gérer les impacts nutritionnels et thérapeutiques différents acides gras. Cela guide aussi les recommandations alimentaires et les choix de traitement pour les maladies métaboliques, culinaires. En cuisine, utilisez des huiles riches en acides gras insaturés, comme l'huile d'olive, riche en acides oléiques, une liaison 6 entre les carbones 9 et 10, contribue à une alimentation saine. Comparons les acides gras oméga-3 et oméga-6. Bien que les deux soient essentiels, les oméga-3 sont anti-inflammatoires, tandis que les oméga-6 peuvent être pro-inflammatoires. Leur équilibre est crucial pour la santé. Conclusion. La position des doubles liaisons dans les acides gras influence leur structure, leur comportement chimique et leur rôle dans l'organisme. Cela affecte tout, de la fluidité des membranes cellulaires à la santé cardiovasculaire et au métabolisme énergétique. Imagine une chaîne d'acides gras comme une ligne droite pour les saturés, avec des angles pour chaque double liaison cis et des lignes plus rigides pour les trans. Pour te souvenir des doubles liaisons cis et trans, pense à cis-curve pour la courbure des cis et trans-straight pour la linéarité des trans. Peux-tu expliquer comment la configuration cis des doubles liaisons influence la fluidité des membranes cellulaires? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Ah ben, ça tombe bien, j'allais justement te demander de me parler un peu plus de la configuration cis. Alors quand on dit configuration cis, c'est pas chiffre 6, hein, c'est CIS. D'ailleurs, moi, je les connaissais toutes sauf celle-ci. Donc, je suis vraiment curieux d'en apprendre plus. J'ai même du peu de ce que tu as dit, j'ai pas tout compris. Donc, je ne saurais pas l'expliquer. Tu as abordé tout à l'heure leurs particularités, notamment avec les atomes d'hydrogène. Je sais que c'est ce qui les rend problématiques. Quand je dis « ils », je parle... de la configuration cis, CIS et des acides gras trans. Mais voilà, je ne saurais pas expliquer. Donc si tu peux m'en dire plus, s'il te plaît. Pas de souci. Je vais expliquer plus en détail la configuration cis des doubles liaisons et pourquoi elle influence la fluidité des membranes cellulaires. Configuration cis et trans. 1. Configuration cis. Dans une double liaison cis, les deux atomes d'hydrogène attachés au carbone de la double liaison sont du même côté de la chaîne carbonée. Cette disposition crée une courbure ou un pli dans la chaîne d'acides gras, empêchant les molécules de s'empiler étroitement. 2. Configuration trans. Dans une double liaison trans, les atomes d'hydrogène attachés au carbone de la double liaison sont de part et d'autre de la chaîne carbonée. Cette disposition rend la chaîne plus linéaire et droite, ce qui permet aux molécules de s'empiler plus étroitement, comme dans les acides gras saturés. Influence sur la fluidité des membranes cellulaires. Membrane avec acide gras cis. Les acides gras avec des doubles liaisons cis, en raison de leur courbure, créent des espaces entre les molécules adjacentes dans la membrane cellulaire. Ces espaces augmentent la fluidité de la membrane, permettant aux protéines membranaires de bouger et aux molécules de traverser la membrane plus facilement. Okay. Une membrane fluide est essentielle pour les fonctions cellulaires normales, comme la communication cellulaire, le transport des nutriments et la flexibilité mécanique. Membrane avec acide gras trans. Les acides gras avec des doubles liaisons trans, étant plus linéaires, permettent aux molécules de s'empiler plus serrées, rendant la membrane plus rigide.
une membrane rigide peut réduire la mobilité des protéines membranaires et limiter le passage des molécules, affectant négativement les fonctions cellulaires. Exemple visuel, imagine deux chaînes de perles. Une chaîne de perles droite, configuration trans, s'empile bien et reste compacte. Une chaîne de perles avec des boucles, configuration cis, ne s'empile pas bien et reste plus lâche et flexible. Importance de la configuration cis. La configuration cis est courante dans les acides gras naturellement présents dans les huiles végétales et les graisses de poisson. Ces acides gras jouent un rôle crucial dans la santé cardiovasculaire, le fonctionnement du cerveau, et l'inflammation. Conclusion. La configuration cis des doubles liaisons dans les acides gras crée des courbures dans la chaîne carbonée, augmentant la fluidité des membranes cellulaires. Cette fluidité est essentielle pour les fonctions cellulaires normales et la santé globale. Ah, mais ok, j'avais pas compris. Je comprends mieux pour la configuration cis, en fait. En fait, moi, j'étais perdu parce que je pensais que c'était un autre type de liaison, en fait. Comme saturé-insaturé ou monosaturé-polyinsaturé. Je pensais que c'était un autre type comme ça. En fait, c'est tout simplement un type de configuration de double liaison parmi les deux types qu'il y a, si j'ai bien compris. Configuration cis, c'est yes, et configuration trans. Eh ben écoutez, c'est grave intéressant tout ça. J'en apprends énormément. J'ai vraiment hâte qu'on retombe sur cette flashcard et toutes celles qui en sont liées. Comme ça, on pourra voir régulièrement des exemples pratiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Je veux dire par là, la structure de l'acide gras consommé. Par exemple, de l'acide oléique de l'huile d'olive, des oméga 3 des poissons que vous consommez, etc. etc. Ça peut être très parlant. Et sachant que c'est très important, comme je l'ai dit au début de la flashcard, à mes yeux, et c'est aussi le cas dans certains domaines, cette flashcard, donc ce type de question, doit être compris pour tous ceux qui souhaitent un diplôme dans le milieu de la santé. Je trouve ça vraiment trop important pour ne pas le connaître. Bon, il y a beaucoup d'autres choses aussi à connaître, mais ça, c'est vraiment crucial. En tout cas, diététique, nutrithérapie, médecine, naturopathie, même sophrologie, même psychologie, parce qu'on sait que certains type d'acide gras ont un impact significatif. Bref, même l'IA l'a dit directement au début de la flashcard. Elle a dit... Alors attendez, je vais essayer de retrouver ce qu'elle a dit. Oui, elle a dit, je cite, « Connaître la position exacte des doubles liaisons dans une chaîne d'acide gras est crucial, car cela influence leur structure et donc a un impact sur la santé. » Donc voilà, sujet hyper intéressant. Ça fait plaisir de l'ajouter dans notre deck santé. Voilou, voilou. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !